Ils étaient nombreux à soutenir Chantal Goya pour la première de son nouveau spectacle Sur la route enchantée. Jean Dujardin et Nathalie Péchala étaient présents, tout comme Thibaut Chanel, papa protecteur avec sa fille née il y a un peu plus d'un an. C'était la toute première du nouveau spectacle de Chantal Goya. De retour sur scène dans le show Sur la route enchantée, l'interprète du titre Bécassine a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités dans le public. Jean Dujardin, actuellement dans la nouvelle série Alphonse de Nicolas Bedos avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi, dont la première diffusion était le 12 octobre 2023, était présent avec son épouse Nathalie Péchala. Le couple s'est montré très tactile tout au long de la représentation, se prenant tendrement par le bras. L'acteur et l'ancienne championne de patinage artistique mariée depuis 2018 y sont sans aucun doute allés pour leurs deux filles, Jeanne née en décembre 2018 et Alice née en février 2021. Des petites princesses dont ils veulent préserver l'anonymat. Thibaut Chanel était aussi présent dans le public avec sa fille. Papa Poule, il a pu faire découvrir toutes les nouvelles aventures de la chanteuse à sa fille dans ce spectacle qui est programmé du 14 octobre au 10 mars 2024 au Palais des Congrès de Paris. Devenu papa en juin 2022, l'agent immobilier avait révélé à nos confrères de Télé Loisirs en décembre 2022 comment il avait annoncé à son collègue Stéphane Plaza qu'il était papa. Quand je lui ai appris il y a plusieurs mois que j'allais être papa, il a été formidable. Il était très concerné, super mignon. Ça m'a beaucoup touché, figurez-vous que Stéphane n'a pas encore vu ma fille. On a eu des rendez-vous manqués. Il a vu ma fille par photo et vidéo mais pas physiquement. Mais si est-il prévu, avait-il confié à l'époque. Non loin de l'agent immobilier, Émeric Caron, Jacques Pessis et Jérém Star ont également pu assister à la grande première du show. Un grand ballet avec les personnages fétiches Polichinelle, Bécassine, Le Chat Beauté, Snoopy, Pandy Panda, Les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loulou et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d'émotions de Jean-Jacques Debout. Les enfants suivent sur la route enchantée l'héroïne de toujours, interprétée par Chantal Goya, Marie-Rose. Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de rencontres surprenantes. Sur la route enchantée, Marie-Rose crée un univers fantastique entre forêts de brocéliande et châteaux du Chat Beauté, depuis lesquels nous retrouverons nos personnages préférés en chanson, indique le site officiel du spectacle.